À la une de ce journal, on évoque tout d'abord cet incendie à Fâche-Thumesnil qui a pris fin ce mercredi en début d'après-midi. Un incendie qui s'était déclaré dans la salle polyvalente du complexe Merchier. Et depuis ce matin, 7h, une cinquantaine de pompiers venus de 4 centres de secours luttaient encore pour l'éteindre. Pour l'instant, les pompiers ont réussi à empêcher la propagation du feu au cours de tennis. Mais la salle polyvalente qui accueillait notamment les centres sportifs, badminton et activités périscolaires est, elle, ravagée. Et puis dans cette édition, on revient sur les vœux de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille. Rappelons que la CCI accompagne les entreprises grâce à des aides financières et des conseils. Une année importante, hein, car 2016 marque la fusion des différentes CCI de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et je vous propose justement d'écouter le président de la CCI Grand Lille, Philippe Ourdin, au micro d'Idil Gunaï. On écoute. À la CCI Grand Lille, nous avons une action auprès des entreprises qui a été importante et on a pu constater qu'en fin d'année, les entreprises retrouvent le moral. Donc ça, c'est quand même les PME, les TPE, les ETI retrouvent le moral. Et ça, c'est quand même très positif. Et je pense que les messages envoyés par les pouvoirs publics dans le sens de l'union des acteurs, ça nous donne encore plus d'optimisme. Donc on aborde ces vœux avec un relatif optimisme. Et pourquoi pas, après tout, c'est ce qu'il faut pour réussir. Travailler en mode collaboratif et travailler les acteurs du secteur privé et les acteurs du secteur public ensemble. Et je suis sûr que nous ferons une très très grande région qui sera un exemple. Et l'autre information, c'est cette période tant attendue par beaucoup de Lillois et Lilloises. Ça y est, les soldes d'hiver ont débuté ce mercredi matin et cela pour 6 semaines de bonnes affaires. Et comme chaque année, les commerçants promettent de belles démarques dès le démarrage, de moins 20, moins 30 à moins 50% parfois sur certains articles. Les soldes hivernales, c'est une période cruciale pour le commerce, d'autant plus que les stocks sont encore importants après les fêtes. D'une part, les températures douces n'ont pas franchement incité à s'équiper en matière de gros pulls, manteaux, bonnets ou encore écharpes. Et ce matin, les premiers clients ne se bousculaient pas au magasin Corat Flers, malgré les bonnes affaires comme on peut le voir sur ces images. Et puis dans cette édition, on revient sur un numéro vert qui permet de trouver un emploi. Son nom, Proche Emploi, et notre journaliste Idil Gunaï nous en dit un peu plus sur ce plateau. On l'écoute. Proche Emploi, c'est un tout nouveau numéro effectivement, gratuit, un numéro régional qui vient d'ailleurs officiellement d'être lancé par Xavier Bertrand, le nouveau président du conseil régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie, qui avait d'ailleurs basé sa campagne pour ces régionales sur le thème de l'emploi. C'est un numéro qui part également d'un constat simple. Bon nombre d'offres d'emploi ne sont pas pourvues. Alors, à qui est-il destiné? Eh bien, il est surtout destiné aux demandeurs d'emploi qui recherchent soit un poste, soit une formation. Mais pas que, il est également destiné aux employeurs et aux entreprises qui recherchent du personnel. Comment ça fonctionne? Le principe est simple. Il suffit d'appeler le numéro en précisant ses attentes, recherche d'emploi ou bien formation. Le demandeur d'emploi est ensuite rappelé dans un délai de 15 jours dans l'espoir de lui proposer bien sûr une solution adaptée. Voilà, c'est un peu un service sur mesure que promet ce numéro vert mis en place par la région qui n'a pas vocation officiellement à faire de l'ombre à Pôle emploi. Proche emploi 0800 02 60 80, numéro gratuit, je vous le rappelle. Et un peu de culture à présent pour refermer ce journal avec l'agenda des concerts pour l'année 2016. Et de très belles affiches de prévues dans notre métropole européenne lilloise. Et je vous laisse les découvrir à travers ce reportage signé Céline Huret. On regarde. En 2016, la métropole lilloise va accueillir de nombreuses stars de la chanson. Le défilé des célébrités commencera avec le groupe Eagles of Death Metal. Au cœur de l'actualité dernièrement, le groupe de rock joué au Bataclan lors des attentats du 13 novembre. Un concert très attendu. Le 4 mars prochain, William Scheller fera vibrer le Sébastopol après 7 ans d'absence. Cet auteur-compositeur incontournable de la chanson fraise revient avec un nouvel album appelé Stylus, un mélange de piano et quatuor à cordes. Et du côté du Zénith de Lille, on prépare également de beaux spectacles. Michel Polnareff, disparu de la scène depuis 2007, fait son retour le 19 mai avec de nouveaux titres. De quoi satisfaire les fans du célèbre chanteur à lunettes. Pour lui ressembler.
Et un mois plus tard, c'est Neil Young, la grande star du folk, qui sera au Zénith. Le chanteur et guitariste canadien sera accompagné d'un jeune groupe californien, Promise of the Real. Il interprétera des chansons militantes contre une firme américaine, Monsanto, fabricant d'OGM. Et dans un autre registre, le stade Pierre-Mauroy va vibrer avec la venue de Rihanna. C'est l'un des concerts les plus attendus de l'année. C'est la deuxième fois que la star se produit à Villeneuve-d'Ascq. En 2013, elle avait rassemblé 27 000 fans. Alors ne tardez plus à réserver vos places. Zaz, Johnny Hallyday, Alain Souchon ou encore Laurent Voulzy, beaucoup d'autres stars de la musique feront chanter le public lillois. L'année 2016 nous réserve de belles surprises. Et si l'un de ces concerts vous intéresse, n'hésitez pas à prendre votre place le plus rapidement possible. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo et votre infotrafic. Bonne fin de journée à tous sur Grand Lille TV.